Bienvenue à tout le monde. Donc pour ce petit cycle consacré au romantisme, même si on s'est permis quelques libertés dans la mesure où, si vous avez vu le programme, aujourd'hui est une présentation un petit peu générale, pas trop longue, de ce mouvement assez important dans l'histoire de l'art. Nous enchaînerons dimanche prochain avec la lecture de l'œuvre de Goya, qui me semble être un bon point de référence sur la question du romantisme, et enfin une sorte de questionnement, d'ouverture sur la possibilité de considérer que le romantisme, au-delà du fait qu'on l'a compartimenté dans une période bien précise, est finalement aussi un état d'esprit, et on se posera la question de savoir si cet état d'esprit a perduré, notamment dans l'œuvre de Modigliani. Voilà, donc aujourd'hui, présentation générale, Goya et Modigliani, avec sur point d'interrogation, est-ce que Modigliani est le dernier des grands romantiques? On est obligé de faire un tout petit peu d'histoire, ne serait-ce que pour que vous puissiez bien situer, on pourrait dire, le courant. Voilà mon petit schéma. Sur la partie gauche, en pointillé, Antiquité, Moyen-Âge. Et nous arrivons au XVe siècle, qui est une cassure importante, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on fait, dit-on, point de départ à ce qu'on a appelé la modernité. Donc vous voyez, la modernité, je l'ai précisé ici. Elle commencerait avec le XVe siècle, avec la Renaissance. Mais notez bien que je l'ai dissocié en deux phases. Et que finalement, ces deux phases de la modernité, évidemment, ne renvoient pas au même principe. Il n'empêche que cette cassure, elle est très importante au XVe siècle. Et on va voir pourquoi par rapport à la définition du romantisme. Romantisme se situe à peu près ici, aux alentours de la Révolution française, en même temps que l'autre courant qui fait face, qui est le néo-classicisme. Donc si on les situe dans l'histoire de l'art et dans l'accélération des mouvements qui vont apparaître après, viennent après le néoclassicisme et le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, le symbolisme, etc. etc. Juste avant, qu'est-ce qu'on va trouver comme grand mouvement? Évidemment, ce mouvement contre lequel ces deux tendances vont s'opposer, c'est le baroque et le rococo. Voilà, c'est clair. Donc la chorégraphie historique. Donc c'est pour ça qu'il nous faut commencer, qu'on le veuille ou non, par la Renaissance, mais d'une manière assez rapide, pour vous dire que l'artiste, l'homme de la Renaissance, avait contribué à faire vaciller le grand dessein de Dieu. L'homme, désormais majusculé, regardait le monde de son point de vue transcendé. Voilà une définition qu'on peut donner de ce qu'est l'homme de la Renaissance. L'homme tutoie le monde, il se met quasiment à la place de Dieu, et c'est ce qui explique le principe de la perspective qui va apparaître à partir de ce moment-là. Ça, c'est un point important. Il va considérer, du coup, que c'est à lui, et non plus au transcendant, d'écrire sa propre histoire. La notion qui est fondamentale, et qui commence à se développer, c'est la notion de subjectivité, la notion de « je », à la place du « on », qui est le « on » du grand autre, autrement dit d'un transcendant, qu'on, dans notre tradition, on appellera Dieu. Depuis la fin du Moyen-Âge, dans les rapports entre son identité et le monde extérieur, l'homme a donc vu sa subjectivité prendre de plus en plus le pas sur les règles de l'objectivité. Désormais, le sens ultime du monde et de la vie n'est plus indéfectiblement lié à une dépendance qui le précède, à un transcendant qui était considéré comme à la fois l'origine et la fin de l'existant. Du coup, avec la modernité, vous avez évidemment présenté un jugement dernier de Michel-Ange pour illustrer cette période de la Renaissance, avec la modernité qui s'ouvre dès le XVe siècle, le sujet, le moi, va se constituer comme, ou commencer à se constituer, comme l'instance fondatrice d'une pensée d'abord dubitative, avec Michel-Ange, questionnante, puis ouvertement nihiliste et inquisitrice avec la seconde modernité, et donc notamment avec les romantiques à l'heure où on pourrait dire que ce morceau d'histoire sonnera. Désormais, à partir du XVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, l'homme ne doit compter que sur ses propres forces pour espérer et peut-être atteindre à quelque vérité que ce soit. Ici, vous avez la danse d'Albion d'un des plus grands romantiques, un des plus obscurs, un des plus insondables, William Blake. Cela dit, cette œuvre va être assez simple
Pour une première lecture, observez ici. L'homme radieux, délivré des chaînes de l'ancien ordre, l'homme est aussi confronté, comme jamais auparavant, à lui-même et à la fameuse question « Qui suis-je ?». Cette liberté nouvellement gagnée affranchit l'individu en même temps qu'elle le condamne, entre guillemets, à construire lui-même son existence et ses croyances. Autre œuvre de William Blake, Isaac Newton, qui date de 1795. La précédente datait à peu près de la même période. Cette œuvre, elle est aussi tout à fait représentative de ce qu'est le romantisme. L'homme nu, qui vient d'être là, engendré dans le chaos, tente d'en percer les secrets. Il découvre la loi inhérente à sa propre nature physique. L'homme a goûté à la connaissance et son esprit s'emploie à reconstituer la généalogie de la réalité insondée de la création. Autrement dit, l'homme, à partir de ce moment-là, l'homme romantique, il commence à douter, on pourrait dire, de sa substance, de son essence. Donc à peine est-il né que finalement il prend un outil à la main pour tenter de mesurer ou de comprendre d'où il vient. Donc il y a déjà, vous pouvez le noter, une sorte de dialectique, de dilemme. L'aube de ce que nous appelons aujourd'hui le modernisme se dessine alors avec cette idée fondamentale. L'homme ne peut plus considérer son existence autrement que comme indéfectiblement lié au présent. Ça, c'est extrêmement important aussi. Il n'y a plus de transcendance absolue, il n'y a plus d'éternité atemporelle. Donc, l'existence de l'homme est finalement cantonnée à une certaine idée du présent. À la veille du XIXe siècle, le romantisme pourrait être considéré comme l'ultime strophe de cet arrachement permanent. J'entends arrachement à son Dieu créateur. Le romantisme s'affirme, et vous le savez, tant en littérature qu'en peinture, non seulement comme une manifestation subjective de l'esprit, mais plus encore comme le terrain d'élection d'actes psychiques possibles. Avec le romantisme, la peinture devient une glorification et en même temps une décapitation de toutes les idoles que l'homme moderne affranchi et libre s'inventait encore. Il y a un bon exemple pour parler de cela, c'est évidemment Goya, avec son fameux Colosse, qui illustre assez bien cette double nature hypothétique. L'homme, ici, combat les mêmes monstruosités qu'il a lui-même engendrées. On le retrouve, ce même monstre, dans Saturne dévorant un de ses fils. Le monstre, le bourreau, l'ogre torsionnaire est tout de même à l'image de l'homme. Toutes ces idées auront contribué évidemment à façonner et à espérer un homme nouveau à la veille du XIXe siècle. Voici Goethe dans La campagne romaine, une œuvre de Tischbein qui date de 1786. Oui, parce que je vous ai un petit peu perdu avec ce rapport philosophique à la vie, mais d'emblée, qu'est-ce qu'on peut dire? Un homme nouveau à Paris, pour un siècle tout de même en profonde mutation, le 19e siècle, un siècle d'innovation, d'invention, marqué par le réveil des nationalismes, les découvertes scientifiques, les révolutions industrielles et surtout, une instabilité civilisationnelle sans précédent, à commencer par une instabilité politique, terrible, le 19e siècle, ça n'est que ça. Un siècle qui a vu se concrétiser et en même temps avorter les grandes promesses révolutionnaires. En 1789, on affirme certains principes, certaines choses. Posons-nous la question de savoir quand est-ce qu'elles ont été réellement appliquées, en tout cas certainement pas comme au XIXe siècle. Ça, on peut dire que ça va venir en rajouter au trouble de l'existence humaine. Continuons d'avancer dans cette petite histoire. Entre 1750 et 1800, l'Europe est arrivée au bout des possibilités du baroque et du rococo. Pour sortir d'une impasse, une fois encore, on pourrait dire que les hommes, la civilisation va retourner aux sources de ce qu'on pourrait appeler la civilisation mère, l'Antiquité gréco-romaine.
Ça, c'est toujours ce qui s'est passé dans les grandes périodes de bouleversement. Ça s'est passé avec l'époque de la Renaissance. Renaissance de quoi? Renaissance de l'Antiquité. Eh bien, ça va se reproduire à la veille de la Révolution française, mais cette fois, c'est à une antiquité fraîchement découverte par l'archéologie que les nouvelles cultures vont se référer. Eh oui, les fouilles entreprises à Pompéi et à Herculanum, ville romaine engloutie par le Vésuve qui va donner au mythe une dimension cette fois bien plus palpable. Les consciences vont se réveiller et s'écrire d'abord dans les grandes lignes d'un programme pictural qui va d'abord privilégier l'idée claire plus que ce qu'on pourrait appeler l'exacerbation de l'individu. L'idée claire, c'est quoi? C'est la définition du néoclassicisme. Est-ce que vous avez des images néoclassiques en tête? Dans ces sculptures, on pourrait dire qui ornent, par exemple, l'Arc de Triomphe à Paris. On ne nous présente pas des personnages dans leur subjectivité affaiblie par une pensée dubitative. Non, on vous présente le guerrier conquérant, le triomphe de la nation, le triomphe de la patrie. En fait, toute cette remontée à la surface de ces principes définis à l'époque de l'Antiquité. Il y a une grandeur d'âme, une noblesse d'âme et surtout une absence totale de subjectivité à cette époque-là. C'est, pourrait-on dire, l'objectivité de la nation qui va balayer, on pourrait dire, bon, toutes les petites, vous voyez, toutes les petites franfreluches que feront les romantiques après. C'est pas, à ce moment-là, l'heure n'est pas à la pleurnicherie, je ne sais pas si ça se dit. Non. L'heure est au grand schéma. L'heure est à la résurrection, à la gloire partagée. Le désespoir de l'artiste, en tout cas, existe uniquement devant la grandeur des ruines antiques. Fuseli, qui est un des romantiques les plus exacerbés, il nous montre quand même ici l'homme qui est d'abord désespéré d'une chose, désespéré de retrouver cette grandeur passée et disparue. Il va falloir œuvrer dans ce sens-là. Les consciences se réveillent et s'écrivent d'abord donc par ce biais-là. La caricature du néoclassicisme, qui précède donc de peu la naissance du romantisme, c'est Jacques-Louis David, évidemment, ce peintre qui a réalisé ce bien curieux tableau intitulé « Le serment des Horaces ». Il va tenter d'imposer, ce peintre, les principes d'une doctrine à un monde, évidemment, qui était prêt à les recevoir comme une sorte d'antidote à la frivolité du rococo. Je vous rappelle que juste avant que ne naisse ce genre de tableau, certains artistes, Fragonard en tête, peignaient ces petites scènes galantes de débauche, comme l'escarpolette, où l'on voit une marquise coquine faire de la balançoire, son coquin caché dans un fourré. Bon, c'est de ce monde-là dont on ne veut plus. On ne veut plus de cette décadence de l'aristocratie. Voilà par quel modeste on va tenter de la remplacer. Le serment des Horaces, la vertu, l'honneur, la patrie, la droiture, la noblesse d'âme et tout le reste, tout y est. Pour la première fois en 1785, modèle type de ce qu'on pourrait appeler un anti-romantisme sentimental. Et là, il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'il y a dans ce tableau tout de même une pointe de romantisme ou pas? Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est frémissement et fureur du romantisme. N'y aurait-il pas dans ce tableau une pointe de frémissement, même si on est en pleine définition du néoclassicisme? Dans cette œuvre, peuvent déjà se lire quelques principes qui vont faire peut-être la substance d'une définition possible du romantisme. Et le point commun qu'il y a entre le néoclassicisme et le romantisme, on le trouve là, dans la dialectique des opposés. Ici, clairement, vous avez la force des hommes, la fragilité des femmes. Vous avez le bien contre le mal. Quand vous apprendrez la petite histoire, c'est ce qu'on peut dire. La vie et la mort, l'obstination et la résignation, le masculin et le féminin. Eh bien, tous ces ingrédients, on les retrouve aussi dans le romantisme. La seule petite nuance, c'est la manière dont tout cela est cuisiné. Et tout cela n'est pas cuisiné de la même manière. Petite histoire. Pour mettre un terme, je vais poser mon bonbon que le monsieur m'a offert et que je finirai tout à l'heure. Pour mettre un terme à la guerre qui les opposait, Rome, alors vous voyez, on plonge dans l'Antiquité, Rome et Albe décidèrent de confier leur sort à trois champions désignés
dans chaque camp. Les trois Horace pour Rome, les trois Curias pour Albe. Seul un Horace va survivre au combat et assurer ainsi la victoire des Romains. Parfait. Dialectique, néoclassique, presque tragédienne. Mais, voyant alors sa sœur pleurer la mort d'un des Curias qu'elle aimait, oui, petite trahison familiale, eh bien il va la tuer et fut condamné à mort par le peuple. Alors voilà, vous avez compris l'histoire. Il y en a un qui a survécu, mais quand il apprend que sa sœur flirtouille avec un ennemi, il va la tuer. La logique voudrait que lui soit condamné, c'est bien ce qui va se passer. Mais quelle est la finalité de l'histoire et de la tragédie que vous connaissez probablement? C'est que le peuple va le gracier. Au nom de quoi? Au nom d'un intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de la nation prime sur le meurtre, et pourrait-on dire sur qui est un meurtre à caractère sentimental. Il y a primauté. La tragédie est donc verrouillée par un sens de lecture possible. Ça n'est qu'un sens de lecture, car il suffirait de décaler le point de vue sur les femmes aimantes et éplorées, qui plus est, tuées par un de leurs propres frères, pour glisser dans le schéma romantique le plus parfait. Et oui, parce que regardez, elle là, tout effondrée, elles sont dans un sentiment romantique. Et c'est par ce mouvement que se ferait donc le frémissement qui va tout de même faire glisser ce fameux néoclassicisme rigoureux vers ce qu'on a appelé un romantisme très théâtralisé à la française. Donc le romantisme français vient bien du néoclassicisme. Et le plus parfait, pourrait-on dire, représentant de ce glissement, c'est Eugène Delacroix. Voici son Orpheline au cimetière. Elle n'est pas très connue, mais elle est très intéressante. Dans le néoclassicisme, comme dans le courant romantique français, une certaine dialectique, je vous l'ai dit, des sentiments, est largement repérable entre quoi? Entre espoir de vaincre et désillusion, autrement dit, désespoir de la souffrance, de la mort, de l'amour. Donc entre doute et certitude, on retrouve cette même dialectique ici. L'inéluctabilité du destin de l'homme, de la patrie, des idées, de la raison, des incertitudes politiques, le grand bouleversement économique et social, l'instabilité d'une société industrielle qui se dessine, feront le lit des prémices d'un romantisme moins contenu ailleurs et dans l'inconscient. Parce que notre Orpheline, elle est encore bien sage, voyez, elle est très raisonnable, elle ne sort pas du cadre, pardonnez-moi l'expression, elle ne vomit pas comme vomiront d'autres peintres romantiques après. Elle se tient bien, en revanche, là où est, on pourrait dire, le premier élément du romantisme, il n'est pas dans le tableau, il est justement à l'extérieur du tableau. Et cet élément romantique, on ne le voit pas, pourtant elle le regarde. Elle ne fait plus face à la réalité de la situation. Elle est perdue dans un cimetière, ses pensées s'évaporent, ses pensées s'égarent vers un ailleurs qui est insondable. Ça, c'est une première définition possible du romantisme. Dans l'infini des songes, dans les respirations lointaines de la nature, peut-être. Vous comprenez bien que là, il y a ce frémissement, vous voyez, on va sentir cette onde apparaître. Du frémissement à la fureur, vous allez voir que pas grand-chose ne les sépare. Le romantisme français reste un romantisme tardif, dans la chronologie d'ailleurs du mouvement. C'est un romantisme qui s'est consacré essentiellement à la description d'événements, épisodes historiques, aventures lointaines, marquées par la vogue aussi de l'orientalisme, de la représentation de récits romanesques. Donc dans ce romantisme à la française, vous avez pas mal de compartiments. Prenons la liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix. Une œuvre, quand je vous dis qu'elle est tardive, c'est quand même, elle date tout de même de 1830, donc on est déjà bien avancé dans la définition du romantisme. Mais pourtant, le romantisme à la française maintient, pourrait-on dire, cette manière de faire. Le romantisme de Delacroix, même s'il s'inspire d'un réel éprouvé, crée un monde qui s'oppose à la réalité du présent. Les insurrections ont certes bien eu lieu dans des bains de sang, mais elles sont revisitées sur un mode quasi romanesque, pensées en atelier comme des manifestes partisans. Car n'oublions pas que ce romantisme met en scène l'action et suppose donc la théâtralisation d'un instant choisi. On dirait qu'elle pose. Le drame shakespearien n'y est pas étranger. Et le drame shakespearien, il a encore à voir avec le néoclassicisme,
avec cette manière de composer un tableau. Les souffrances susceptibles de toucher le spectateur, l'épouvante, la frayeur, l'horreur, le désespoir se cristallisent dans des recherches formelles qui, tout de même, nous présentent sous un sommet d'expressivité prompt à contrebalancer très exactement les sentiments qui sont des sentiments effrénés. En maîtrisant les caractères de l'œuvre, Delacroix maîtrisait déjà, pourrait-on dire, les rouages de l'histoire avec une distance posée sur l'événement. Mais c'est bien une fille du peuple que le peintre a élevée au rang d'allégorie. La liberté menant à la victoire avec pour la première fois une extraordinaire fragilité. Un personnage que, pourrait-on dire, pardon, qui rien de destiné à accomplir une telle mission. La sauvageonne de Delacroix est certes armée, surdimensionnée, mais elle n'a plus rien à voir avec les figures de proue masculine incarnant la vertu néoclassique. Pour s'être emparée du drapeau tricolore et d'un fusil à baïonnette, exhortant la tête tournée, le peuple à la suivre sans certitude, entourée des faibles et des hésitants, elle est totalement romantique. Nous pourrions dire, avec cette première approche, et je souviens de revenir en arrière, que les héros de l'histoire sainte, ici la mise au tombeau du Caravage, déjà sortis donc de leur gond par cet artiste, se retrouvent propulsés au premier rang d'un scénario marqué par l'histoire la plus brûlante avec le romantisme. Héros désormais anonymes, mais encore atemporels, devenus emblèmes d'une aspiration éclairée à d'autres destinées. Et oui, parce que la sauvageonne de Delacroix, certes elle est emblème de la nation, mais certes atemporelle, mais elle est anonyme. Et alors ça, c'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire que vous avez eu les saints et saintes de l'histoire, vous avez eu les rois, les princes et toutes leurs suites. Désormais, les figures de proue sont des personnages dignes d'être représentés malgré leur impossibilité à être désignés. Ça, c'est le romantisme. Mais voyons aussi, chez Eugène Delacroix, chez cet orientalisme, l'idée qu'à un moment donné, le romantisme va naître également d'une décadence, et de la décadence du néoclassicisme. Le romantisme à la française, l'exil, le désir d'exotisme, la ruine d'une civilisation, les charmes de l'Orient, sont encore un vœu pieux de bon ton. Chez Delacroix, même si c'est assez sanguinolent, c'est encore le cas. Une éducation sentimentale vers un ailleurs, pétri de bonnes, mais également de bien mauvaises manières. Voici ici une œuvre de Joseph Désiré Court, qui est une œuvre plutôt néoclassique, Nymphe et Faune au bain, une œuvre de 1824. Observez-la bien. Elle a un rien d'érotisme, pourrait-on dire, chose qu'on pensait avoir bannie, évidemment, de l'histoire, avec ce reflux en bloc du rococo et de cette tendance. Or, vous savez que le néoclassicisme a remis en scène la nudité. Enfin, c'est comme la nudité des Vénus de l'Antiquité. Elles n'ont rien d'érotique, en principe. Eh bien, ici, à un moment donné, apparaît au XIXe siècle une tendance. Cette tendance à voir ces nymphes se féminiser à outrance et se rapprocher d'une certaine idée du romantisme, autrement dit, à se personnifier. On a l'impression qu'elles sont sorties de l'histoire et qu'elles viennent jouer, on pourrait dire, un rôle bien réel. Le romantisme français est un romantisme éduqué, pourrait-on dire, mais également éduqué par le fantasme, qui n'a pas grand-chose à voir avec le romantisme, on pourrait dire, exacerbé, qu'on va découvrir après. Autre œuvre d'un autre grand maître, un certain Jean-Dominique Ingres, avec ses compositions comme « La grande odalisque ». Lui-même a bien observé, nous parlerons ici d'une phase maniérée, tardive du néoclassicisme, qui va se charger d'une densité plutôt sensuelle, charnelle, sorte d'étrange vertu tout de même. Où est la vertu de cette Vénus? Parlons d'étrange vertu, où la grandeur des sentiments flirte quand même avec des désirs inassouvis. Des désirs inassouvis, en voulez-vous? En voilà. Autre œuvre d'un, celle-ci, pardonnez-moi, mais elle vaut son
Pourquoi ? Parce qu'elle signe, me semble-t-il, une certaine décadence néoclassique qui atteint son apogée avec le chef-d'œuvre en soi du genre, Roger délivrant Angélique. Bien, c'est ici la figure de Saint-Georges tout de même, donc il va aller chercher quand même assez loin, terrassant le dragon qui est revisité d'une certaine manière. Glissement magistral du religieux le plus pieux dans l'érotisme, car sur un fond de sfumato à la Léonard de Vinci, Ingres inaugure un fantastique surréaliste inégalé dont les auteurs de bandes dessinées du genre se revendiquent encore. Le courant néoclassique pensait réveiller la tradition glorieuse de la grande histoire. Pour le récit intime et amoureux qui guette, on pourrait dire que Ingres l'enterre. Le romantisme aime les histoires d'amour, dissimulées, le non-dit, l'après, le non-prémédité. On pourrait dire que par cette fresque, Ingres nous le fait fantasmer. Autrement dit, il y a chez cet artiste une espèce de basculement vers cette notion-là. Parce que là, encore une fois, voilà, on pourrait dire que l'histoire s'écrit en deux épisodes. Le premier, c'est le dernier combat encensé. Ça reste très néoclassique. Mais après ce dernier combat, adviendra probablement l'étreinte et l'incontrôlé de la passion, puisqu'il l'a délivrée. Là, on glisse davantage vers un romantisme plus sentimental. En attendant, pour le moment, je voulais présenter un romantisme que j'appelle éduqué, livresque. Travaillé, bien pensé, voyez ? Livresque, éduqué. Mais est-ce que tout le romantisme est un romantisme éduqué ? Pour le moment, j'ai parlé d'un frémissement. Le frémissement, c'est ça, voyez, c'est la bonne éducation qui est de temps en temps trahie par quelques lectures interdites. Le principe, par contre, d'une extension de cette subjectivité, puisqu'il s'agit bien d'une subjectivité, va conduire la littérature et la poésie romantique à s'affranchir de toute limite, après tout. À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y aurait des limites ? Du coup, on va commencer à exposer des manifestations refoulées, sinon taboues. Le merveilleux, le magique, le surnaturel, l'effrayant, le glorieux, tragique, qui vont devenir des thèmes de prédilection. Nous avions pu esquisser que toute l'œuvre de ce peintre génial, Goya, était un glissement vers ce trouble, cette surdité des sentiments apparents, jugés du coup artificieux et artificiels. Eux, ils méprisent, pourrait-on dire, à la fois le néoclassisme, mais aussi ce romantisme éduqué. Le romantisme sans emprise va ressusciter un rapport douloureux, incontrôlé, face à toutes les manifestations de la raison. De cette raison, on n'en veut plus. Voici ici le grand bouc. Vous voyez, dans sa tenue noire apparaissant, on pourrait dire, dans cette vision tout à fait fantasmagorique, où l'on sent bien que le monde est désormais perméable à la résurrection du trouble de l'existence, la foi réveillée, mais cette fois-ci, sous tous ses aspects les plus ombrageux, idolâtres, effrénés, sans limite. En fait, le romantisme, c'est pas un mouvement anti-religieux. Non, c'est un mouvement multiconfessionnel. Ou alors, on va dire que toutes les fois, toutes les croyances vont se mélanger absolument. Où est-ce qu'il faudra aller chercher cette origine-là? Oh, probablement chez Matthias Grünewald. Matthias Grünewald, c'est ce dernier grand maître du gothique tardif qui s'épanouit encore à l'époque de la Renaissance, au début du XVIe siècle. Une vision exaltée, effrayante de la crucifixion qui s'oppose à la rationalité de la pensée de l'esprit religieux qui persiste à l'époque de la Renaissance. La Renaissance n'a pas évacué les représentations de crucifixion. Mais ici, vous connaissez ce tableau, ce Christ verdâtre qui est recouvert de pustules. Il faut quand même savoir que Matthias Grünewald, il l'avait quand même peint pour un hôpital d'agonisants qui souffrait de maladies de peau. On pourrait se dire qu'il y a quelque chose de très romantique dans cette œuvre bien avant l'heure. Pourquoi ? Ce sacrifice qui sacrifie, on pourrait tout dire, à toute dignité habituelle, à toute beauté de l'agonie, il n'est pas présenté dans la splendeur que le présenteront les Guido Reni italiens de la Renaissance. Ce qui sépare encore le gothique tardif du romantisme,
c'est que dans cette œuvre-là, il y a une promesse de salut. Et la promesse de salut, c'est Saint Jean-Baptiste qui est à droite, qui arrive, les Saintes Écritures à la main, avec derrière lui écrit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi », autrement dit la promesse d'éternité. La souffrance sur terre est acceptable à partir du moment où l'éternité est encore envisageable. Alors toute la question du romantisme est de savoir si cette éternité est encore envisageable. La poésie comme la littérature à la fin du XVIIIe siècle exprime un penchant pour les esprits, en tout cas, pour le monde des cieux, certes, comme pour le monde des ténèbres. Et cela explique les réalités tangibles qui vont prendre dès lors le visage de la monstruosité et de l'enfer. Je vais vous montrer un des chefs-d'œuvre de la peinture romantique exacerbée, avec ici le détail d'un tableau de Fuseli. Observez ce petit monstre qui traduit assez bien l'infinie palette des thèmes représentés, cette nature débridée des formes d'expression qui sont désormais sans entrave. La substance de l'œuvre romantique, évidemment, qui va la différencier du gothique, c'est son absence d'issue. L'absence d'issue, c'est d'abord, pourrait-on dire, le sentiment amoureux. En 1781, Fuseli, ce peintre suisse établi en Angleterre, va peindre le portrait d'une jeune femme aimée. En fait, le tableau, il va quand même l'intituler « Cauchemar ». Elle est allongée, visiblement défaillante, un monstre à tête de singe posé sur le ventre. Le fond de la composition ressemble à un véritable rideau de scène. Vous avez un âne noir, les yeux laiteux, qui fait irruption dans cette composition qui renferme une dramaturgie concentrée. Fuseli aurait été amoureux de cette femme, promise malheureusement à un autre par ses parents. Et du coup, œuvre géniale, c'est le peintre Fuseli qui va la peindre, elle, bien vivante et bien rayonnante, mais où ? Au dos du tableau. Donc dans cette œuvre, elle est peinte au dos du tableau. On ne la voit pas. Ça, c'est très romantique aussi, d'une certaine manière. C'est, semble-t-il, en 1546 qu'une certaine expression de fureur poétique, donc pour se substituer au frémissement, va atteindre en France les jeunes poètes occupés à fomenter cette révolution lyrique que fut la Pléiade, première traduction en français d'un dialogue de Platon intitulé Io. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de traduire cette chose-là. Platon, il définit la nature de cette fureur. Échappant au contrôle de la raison, elle se manifeste par rapport au comportement normal comme un délire et un accès de folie. D'ailleurs, il y a une expression que nous avons, que nous utilisons encore, être hors de soi, qui renvoie à des états d'exacerbation et de colère extrême que l'on ressent comme l'invasion de ce lieu relativement clos qu'est l'individu par une force étrangère et mystérieuse. On pourrait dire que la porte est ouverte et elle ne se refermera plus. L'esprit du romantisme va traverser et transpercer la quasi-totalité des courants picturaux de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui encore. Du coup, pourrait-on dire, le thème de la folie est évidemment au cœur d'un questionnement sur la généalogie d'un courant. Pas un artiste engagé dans cette fureur poétique n'a échappé à une confrontation plus ou moins fusionnelle avec ce thème. Je crois que la folie, qui est un des qualificatifs du romantisme, illustre parfaitement le besoin d'évasion d'une société préoccupée par les révolutions et les guerres, et qui trouvait un refuge dans un univers autorisant toutes les mutations de l'âme et de l'esprit, pour se solder par de paroxystiques compositions. On pourrait dire des folles de Fuseli, de ses emprunts à la littérature, au théâtre. Il est un tableau, évidemment, qui vient, me semble-t-il, clore très tardivement cet esprit de mal-être, le mal-être du siècle, du 19e siècle. Commence avec Fuseli et se termine évidemment avec les symbolistes à la fin du 19e siècle, et entre autres avec le cri d'Edvard Munch. Comment vous pouvez expliquer autrement cette œuvre? Il n'y a pas d'autre explication. Je vais vous parler du vomissement de cette fureur romantique, vous l'avez de toutes pièces, parce que vous savez probablement que cet artiste n'a pas peint qu'un seul cri, qu'il en a peint un nombre important. Bien, recentrons notre analyse. Vous avez compris l'esprit, frémissement, fureur.
il y a quand même des thèmes qui vont émerger et qu'on va repérer dans les œuvres assez systématiquement. Les thèmes du romantisme, c'est la question du sublime, associé généralement à la solitude, le rêve et la vision, associés à la contemplation, à l'hallucination et à l'égarement. Voilà, toutes les œuvres de John Martin, par exemple, qui est un artiste peu connu du romantisme, nous renvoient en fait à toutes ces notions. L'homme se retrouve généralement perdu au milieu des éléments déchaînés, des orages, des éclairs, des tornades, des mondes apocalyptiques. Voilà des œuvres totalement romantiques. Mais il y a quand même un détail qui apparaît dans ces œuvres. Observez bien. Des nouvelles icônes, pourrait-on dire. La nouvelle image du monde va s'étoffer de la multiplication de représentations de celles de quoi ? De nuits d'orage, de déluge, de gigantesques cascades destinées à susciter un sublime effroi, mais également de scènes de naufrage. Le naufrage, ça va devenir l'emblème du romantisme. Où est-ce qu'on peut le faire remonter ? Quel est le premier tableau ? Ah, c'est un tableau magnifique, c'est le tableau d'un peintre italien qui s'appelle Giorgione, donc un tableau de l'époque de la Renaissance. Premier signe, pourrait-on dire, du doute de l'homme. Vous voyez ici, cette séparation entre l'homme, la femme, le berger, celle qui a enfanté, et dans le ciel, un éclair qui apparaît, comme pour annoncer un grand tourment. En fait, voilà, je suis quand même, à un moment donné, obligé de remonter vraiment à cette époque de la Renaissance. Elle possède en germe, évidemment, ce doute qui va exploser. Ce doute, on va le retrouver, évidemment, dans l'iconographie du navire, qui exprime de manière si poignante le thème de l'homme, et évidemment de l'inéluctabilité du destin. Image qu'en laisse Turner, ici, la plus magistrale, la plus marquante d'entre toutes, le majestueux bâtiment, on pourrait dire, sombre et déchiré en son cœur par une lame de feu rehaussant l'éclat de l'eau et la ville au loin entre deux immensités. Voilà, là vous y êtes, dans ce schéma romantique. On va le retrouver encore une fois, toujours chez Turner, dans ce naufrage ou la tempête de neige en mer. Cette œuvre n'est pas simplement remarquable par son anticipation stylistique, parce qu'on dit souvent qu'elle inaugure de l'impressionnisme, mais pour là, ce n'est pas ça que nous retenons. C'est précisément cette attitude fondamentale qui consiste à mettre le destin en relief et dans laquelle s'exprime le désarroi de l'homme en but aux forces de la nature, le destin des anonymes qui était devenu alors digne d'être peint. Et c'est précisément aussi cette dignité des anonymes que met en scène un certain Théodore Géricault dans Le Radeau de la Méduse. Ça, c'est le manifeste du romantisme à la française. Survivra ou survivra pas ? Ça ne sait pas. La promesse de salut, vous savez où elle est ? Ils agitent le mouchoir. La promesse de salut, elle tient quand même dans un micro-millimètre. Hein ? Elle est là, c'est le navire, au loin. Va-t-il réussir à les sauver ? C'est ça la grande dialectique romantique. Certaine manière. Je vous l'avais annoncé au début, la vie, la mort, l'espoir, le désespoir, le renoncement, ou encore, si vous voulez, la croyance. Vous avez tout dans le tableau. Il y a ceux qui ont renoncé, il y a ceux qui espèrent encore, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont vivants. Avec, ici, ce qui me semblait important, c'est d'aborder simplement ce navire, qui à l'époque, c'est une multiple. On va le voir également chez Friedrich. Avec la mer de glace, le naufrage de l'espérance. C'est le nom du tableau, le naufrage de l'espérance. Il se trouve que l'espérance est le nom du bateau. Ça tombe assez bien. Le peintre a élevé ce thème à un niveau dramatique insurpassable dans cette interprétation. Le drame lui-même n'est pas représenté, il s'est déjà produit. Et oui, ce que nous voyons, c'est l'amas tragique de la glace qui recouvre l'épave. L'entreprise périlleuse de l'homme, s'aventurant hors des limites de l'espace vital qui lui était imparti, c'est achevé par la mort. Terrible aveu, face à l'image chrétienne du Dieu sensible à la prière, abandonnée depuis longtemps et à laquelle l'homme n'a pas encore trouvé encore de perspective moderne de rédemption. C'est ça, cette absence d'issue. Eh ben oui, voilà, ben ils sont morts. C'est un autre sentiment romantique possible. Le navire, comme symbole de la vie, se retrouve encore dans une œuvre de Glaire, le soir
ou les illusions perdues. Vous avez ici le peintre qui installe l'image du poète et cette vision dans la mélancolie. Cette fois, l'immobilité de l'eau semble figer tout espoir, tout mouvement de la pensée, illusion perdue d'un âge d'or de la jeunesse et d'un avenir radieux. Mais rien d'ostentatoire dans cette mort douce, contrairement donc aux scènes de naufrage qui sont évidemment plus vibrantes. Le colosse, assis à l'écart, évoque les statues de marbre des philosophes de l'Antiquité, méditant sur le destin de l'homme, tradition qui perdure encore évidemment jusqu'à un certain Rodin et son penseur. Même dans la grandiloquence aveugle du fameux courant néoclassique, on retrouve parfois ce personnage, incarnation du doute, de l'incompréhension, de l'impuissance face au destin. Voici une œuvre qui est très intéressante, de Jacques-Louis David, Les Licteurs, rapportant à Brutus le corps de ses fils. L'histoire de l'art, elle a toujours tendance à faire des séparations strictes. Néoclassiciste, romantiste. Mais oui, mais pourquoi est-ce que ça serait si tranché? Le père, en bon romain néoclassique, il a fait tuer ses fils parce qu'ils ont trahi la patrie. Vous vous souvenez de l'histoire des Horaces? A priori, son âme devrait être sauvée. Enfin, regardez-le, rejeté dans l'ombre, sur le côté du tableau. Il a froissé de sa main, il tient crispé dans sa main l'acte d'accusation. Serait-il, par son attitude, en train de regretter son geste? Aurait-il une ultime pensée romantique? Vous voyez comme quoi, finalement, on pourrait dire que les frontières ne sont pas si étanches. Rêve et vision. Sommeil et mort sont aussi une fréquence qui va courber, désorienter le corps de l'homme et le recroqueviller de sa droiture. Ah, voilà un autre chef-d'œuvre où sublime et solitude sont finalement les deux métaphores fondamentales que nous pouvons conserver pour définir le romantisme, le voyageur devant une mer de nuages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de ce tableau? Qu'est-ce que vous voulez bien me dire de ce tableau? Pour définir le sentiment romantique, qu'est-ce qui vous inspire, vous qui habitez au pied des Pyrénées? Il y a quand même quelque chose d'assez frappant par rapport à l'évolution de l'art. Cet homme est de dos. Or, je vous rappelle que dans son évolution depuis la Renaissance, l'homme est présenté face à nous. Il est face à nous, il nous tutoie, il nous regarde selon ce principe de la perspective et de l'alignement optique. Il est donc entre nous, regardeurs, et Dieu, d'une certaine manière. Il a créé sa place. Or ici, c'est le contre-pied parfait de cette échelle de la Renaissance. Il nous tourne le dos, il regarde vers un ailleurs qui semble quand même un ailleurs relativement indéterminé. Beau, certes, sublime, certes. Quelle tentation a-t-il, cet homme? Quelle tentation a-t-il? La tentation, pourrait-on dire, de la méditation, bien évidemment, et ça c'est la grande donnée romantique. Il médite sur la nature, sur le grand vide de la nature, en même temps qu'il médite sur lui-même. Voilà la définition du romantisme. Toujours entre, je vous l'ai dit, sublime, solitude, grandeur, abandon. C'est assez parfait. Qui plus est, il n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel montagnard. Regardez-le bien, regardez sa tenue. C'est pas n'importe quelle tenue. Il a sa canne, il a sa redingote. C'est un homme de science, c'est un homme de lettres, c'est un homme qui pense. C'est cet homme de la Renaissance qui, pour la première fois, se retrouve face au grand doute de l'existence. Image de Dieu, comme toujours à inventer face à la perte des valeurs de l'ancien monde, va donc laisser un vide. Ce vide, certains tenteront de le combler, non par la remontée dans l'histoire lointaine, mais dans une fantasmagorie de l'exotisme, vers d'autres cultures, vers d'autres sagesses. C'est le cas de William Blake, par exemple. William Blake, il est intéressant parce qu'il nous présente toujours l'homme au bord de la chute, en quête néanmoins de la trace du secret de la création. D'autres, par contre, d'autres sagesses, il faudra aller les chercher plus simplement, au-delà de la fantasmagorie, pourrait-on dire, de la croyance, tout simplement dans d'autres substances. Et cette autre substance fondamentale, c'est la nature. En témoigne le ciel d'Égypte, du palais de la Reine de la Nuit, de Schinkel, par exemple.
Autrement dit, cette idée de la nuit étoilée, c'est aussi un sentiment très romantique. Où est-ce qu'on le retrouve dans ce fameux tableau célèbre d'un certain Vincent Van Gogh? La nuit étoilée, elle est quand même très tourmentée, mais elle prolonge bien ce sentiment. Si l'artiste romantique s'est perdu dans la foi, dans la fable, dans le songe, il s'est d'abord perdu, et aussi dans la nature. Et ça sera ma dernière strophe. Elle s'ouvre par la magistrale porte dans le rocher, toujours du même peintre, un certain Schinkel, autre voie possible pour atteindre le sublime. L'amour passionné de la nature devant compenser l'élévation de l'âme perdue. Le maître en la matière, c'est évidemment, et encore, Friedrich, avec, dans ses tableaux, cette nature qui est d'emblée habitée, avec par exemple son moine sur le rivage, une œuvre qui date de 1810, qui fait de la nature quoi? Un véritable symbole, une exaltation muette de son créateur invisible. Audacieuse composition qu'il nous propose. Vous le voyez, le moine, il est au bord, il est comme le voyageur, il est seul. Il est petit face à l'immensité de la nature qui se présente ici, en bande, superposée, mais tout à fait symbolique. La terre, la mer et le ciel. Solitaire, solitude, sublime contre-pied, pourrait-on dire. Voilà encore une œuvre qui est tout à fait représentative de l'esprit du romantisme. Le crucifix sur la montagne qui date de 1808. D'autres peintres ont célébré une certaine idée de la foi. Qu'est-ce qui ici, encore une fois, vous montre ce glissement du terrain? C'est le fait que nous ne sommes pas au pied face à la croix. Nous sommes pratiquement derrière, de trois quarts sur l'arrière. Nous l'observons, voyez, avec cette focale qui est un déplacement, qui n'est plus ni moins que le déplacement de ce sentiment d'exister. Cette vision, pourrait-on dire, intérieurement accablée, comme on le dit, vision troublée, d'une paisible indifférence insupportable pour celui qui espère la révélation d'un signe. Alors on pourrait continuer, mais là, autant se taire devant des œuvres comme celle-ci, parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Toujours de Friedrich, l'abbaye dans un bois. Ça, c'est l'œuvre romantique parfaite. La nature, visiblement dépouillée de son agitation, vision automnale bien avancée, la ruine, ruine de la civilisation, mais ruine de l'histoire, car on observe encore tout de même une fenêtre à trilobe. Vous noterez que cette fenêtre à trilobe, c'est une fenêtre gothique, c'est une cathédrale gothique qui s'est effondrée. Donc, l'esprit du gothique, vous savez, c'est cette flèche qui va vers le ciel, cette espérance, cette dévotion, cette ascensionnalité permanente. Ici, ça s'est affaissé, ça s'est écroulé, mais pour autant, on est quand même plongé dans une autre ambiance. Nostalgie, solitude, vous voyez, l'âme n'a pas pour autant disparu, pourrait-on dire, de l'œuvre en tant que telle, de la pensée, de la foi. Voilà le sentiment romantique. Faut-il en rajouter? Pas tellement. Moi, je pense que l'œuvre de Turner est l'œuvre charnière, me semble-t-il. Parce que celui qui va vraiment s'attacher à l'approche de la nature, c'est Turner. On le sait, vous avez pu voir ses nombreuses compositions. C'est celui qui va préfacer, évidemment, par son audace picturale de ce que sera le bouleversement impressionniste. Vous savez que le premier grand nom de l'impressionnisme qu'on a associé au courant, un certain Monet, après avoir retenu la leçon d'Eugène Boudin, a découvert lors de son premier voyage à Londres l'œuvre de Turner. Lui, Monet, évacuera évidemment tout ce sentiment romantique pour nous livrer une œuvre désormais, pourrait-on dire, plus légère, plus agréable, dans le sens où elle ne renvoie pas à un questionnement existentiel, ou en tout cas, pas de la même manière. La transition est, me semble-t-il, ainsi faite. Voilà. Pour les grandes lignes, frémissement, fureur du romantisme. J'en ai certainement oublié, parce que c'est, je vous l'accorde, compliqué de résumer cette question en une heure. J'ai évacué toute la question du théâtre, de la littérature, évidemment, qui, vous le savez, sont littéralement associées à toute l'œuvre picturale. Mais ça nous permettra, voilà notre œuvre de Turner, elle est au carrefour d'énormément de choses. Ça nous permettra évidemment de comprendre que la prochaine fois, Goya est, me semble-t-il, le grand représentant de cette fureur romantique, dans la mesure où chez lui on peut observer qu'il y a une cassure.
Il y a souvent une cassure dans l'œuvre romantique, et vous allez voir que chez Goya, c'est le cas. Quant à Modigliani, si on peut y déceler une approche romantique, c'est probablement parce que ce monsieur qui peint bien après, évidemment que le romantisme soit clos, va réinjecter dans sa peinture, et entre autres dans son rapport à la nudité féminine, quelque chose de très romantique, me semble-t-il. Et ça sera l'objet d'un débat pour donc les deux prochains dimanches qui viennent. Je vous laisse la parole maintenant sur ce que j'aurais omis de dire, ou erreur qui se serait glissée dans mon interprétation, qui est large, bon, après il faut... Ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas complètement figé. Je crois qu'il y a par exemple dans le néoclassicisme beaucoup de petits détails qui nous laissent à penser qu'effectivement tout est déjà en germe dans cette peinture-là. Le 19e siècle, il est à l'image du romantisme, c'est une oscillation permanente. On vous a promis la liberté, on vous l'a enlevé aussitôt. C'est ça qui a généré ce sentiment romantique d'une certaine manière. On aurait pu résumer en cette phrase. Voilà. Merci. Je vous laisse apprécier des œuvres qui sont tout de même aussi, puisque pour les Journées du patrimoine, nous avons eu la chance d'accueillir Bernadette Charpentier, qui est mise à l'honneur à l'occasion donc, de cette exposition de l'Artothèque. Il y a quelque chose de très romantique dans l'œuvre de Bernadette Charpentier, comme à mon avis dans beaucoup d'autres artistes qui sont là. Donc ce mot, on ne peut pas le contenir non plus dans une période, on ne peut pas le cantonner. Et je vous invite également à découvrir bientôt la prochaine exposition qui porte déjà un titre fort évocateur de cette trace romantique. Donc Colette, je t'écoute parce que je ne me souviens plus du titre. Familière étrangeté, ça c'est très romantique. Même si ce sont des artistes bien contemporains qui vous proposeront leur vision de la vie. Voilà, donc vous avez toutes les informations ici. Vernissage, présence des artistes. Voilà. Je crois que l'exposition est montée cette semaine. Hein, donc on pourra en fait aussi l'entreapercevoir dimanche prochain à l'occasion de la découverte de Goya. Voilà. Donc le ton est donné pour l'automne qui arrive et qui s'annonce quand même plus vieux. Sur ce, merci à vous.